Bonjour à tous, c'est Tony et bienvenue aujourd'hui dans Cyberpunk 2077. Donc nous sommes sur Xbox Series X et nous allons commencer cette petite aventure ensemble. En espérant que ça va vous plaire. Allez, on va se lancer tranquillement. Alors on va mettre en normal. Parce que j'ai pas envie de me casser la tête non plus. Alors, nomade. Gosse des rues ou corpo? Et moi j'ai envie de commencer en corpo. J'ai envie déjà de faire partie de la hiérarchie. De commencer de haut et voir ce que ça donne. Allez. Alors, on va se créer un personnage. Ah, attendez, est-ce qu'on se prend une femme ou un homme? Ou un trans? Non, je sais pas. Là, on va se prendre un homme. Un homme, mais pas ce visage-là, s'il te plaît. Non, merci. Plus celui-là, quand même. Ok. Timbre de voix. Moi, c'est V. Moi, c'est V. Non, ça va pas le faire. Ok. Ah, j'ai que deux voix différentes. Ok. Teint de peau. Ouais. Ça fait un peu. Rien, non. Plus comme ça. Type de peau. Non, là, on dirait une poupée. Non, j'irais plutôt 4. 4. Cheveux. On va faire la coiffure que j'ai. Ouais, c'est à peu près ça, mais y a pas. Non. Non. Oh. Je dirais que c'est plus ça, mais moi c'est peigné en arrière. Ah, pas à ce point non plus. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Alors, ma coiffure. Elle est où? Non, ça c'est pas moi, c'est pas du gel que j'ai. Non. Plus. Non. Ok. C'est peigné en arrière, mais c'est pas comme ça. Ça. C'était quoi ça? Ouais. Non, on va essayer de retrouver l'autre que j'avais vu en premier. Non. Non. Ouais, voilà, un peu comme ça. Couleur des cheveux. De la chaîne. Alors, du rouge, s'il te plaît. Voilà, c'était rouge. Non, ils disent rose. Non, merci. Pas de rose et pas de bleu. Attends, c'était quelle couleur, ça ? Rose. Ah, la rouge. Voilà. Les yeux, je m'en fiche. La forme des yeux, mais la couleur... marron, mais ça là rouge et sourcils. Sans sourcils, non, peut-être pas, non, non trop. Plus ça fait méchant, sans trop l'être. Couleur des sourcils, ouais, c'est comme ça. Le nez, c'est bon. La bouche, la mâchoire, j'aime pas trop y déformer ça. Pilosité. Non,
style de barbe. Ah mais d'accord, non. Tu me remets un peu surtout. Couleur de la barbe, non, s'il te plaît. Bleu. Je veux une vraie couleur, il n'y a pas noir s'il vous plaît. Parce que je suis brun, hein. Là, voilà. Matériel cybernétique. Un peu trop, je dirais. En fait, les mieux, c'est limite les premiers. Bon, allez, premier. Cicatrice, j'en veux pas. Tatouage, j'en veux pas. Piercing, j'en veux pas. Les dents. Non, s'il vous plaît, pas de dents roses. Maquillage, j'en veux pas. Rouge à lèvres, j'en veux pas. Maquillage de joues, j'en veux pas. Des boutons, non merci, si je peux éviter d'en avoir dans le virtuel, c'est déjà bien. Ongles, courts, ouais. Couleur des ongles, je vais pas toucher. Tétons. Non, ça fait bizarre. Tatouage, non, cicatrice, non plus, non plus. Organes génitaux. Wow. Ah ouais. Ah. Un vagin. Ok. Ouais. Par défaut, grand. Petit. Style de poil. Bon. Organes génitaux, ok, mais. Non, passant. Ah, je peux pas juste être. Punaise. Bah non, je vais être quelqu'un de constitué. Normalement, s'il vous plaît. Bon, pour moi, c'est bon. Alors. Alors, d'accord, on va essayer de mettre un point de partout. J'avais 7 points. Sans froid, alors. Votre sang-froid détermine votre résistance, votre calme, votre efficacité à vous agissez futurement. Chaque niveau de sang-froid. Ouais, ça. Votre capacité technique indique votre maîtrise de technologie. Elle vous permet de déverrouiller les portes et d'utiliser les armes techniques. Chaque niveau gagné augmente votre armure de 5%. C'est sympa, ça. Vos réflexes déterminent votre capacité d'action en plus d'augmenter votre vitesse de déplacement général. Chaque niveau de réflexe. Force. Allez, c'est bon. C'est bon pour moi. Appuyez B pour continuer. Je cherche la touche B. Là.
Ouais, je suis là. Tout va bien? Ouais. J'avais juste besoin d'un peu d'air. On aurait dit que tu vomissais tes tripes. Ouais, j'ai gerbé. C'est le stress. Ce boulot finira par avoir ta peau. T'inquiète, je suis pas encore mort. C'est ça. Pas encore. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Y a un problème? Y a eu une fuite. Mon patron m'a appelé parce qu'il fallait intervenir. Tout le monde au siège de Night City est à cran. Mais toi, t'es pas dans la merde, hein? C'est toi qui règles les problèmes des autres. Jackie, quand tu bosses pour le contre-espionnage d'Arasaka, t'es toujours dans la merde. T'en fais pas pour moi. Je vais gérer comme un grand. Buona suerte. Ok. C'est votre première fois. Ici, suivez attentivement. Les didacticiels pourront familiariser avec les mécaniques de base du jeu. Mais si vous êtes déjà un headrunner expérimenté, n'hésitez pas à désactiver les conseils, d'accord. Vous pouvez rendre les bases de données à tout un moment de la partie. Je peux pas me re-regarder. Non. Certaine. 2074. Une enquête d'Arasaka mène à l'exécution des membres d'une cellule terroriste à Rio de Janeiro, mettant fin à une série d'attaques. 2076. Le département de contre-espionnage d'Arasaka assure avec brio la sécurité d'un sommet corporatiste à Jakarta, déjouant 45 tentatives d'attentats et de sabotage. Comment Arasaka brillera-t-elle en 2077? Cela dépend de vous. Arasaka s'est engagé comme pilote dans la Nippon Kaigun, la marine impériale japonaise. À l'âge précoce de 23 ans, il avait déjà atteint le grade de lieutenant. Avec 20 victoires en vol à son actif, il restera pour toujours l'un des pilotes... Putain, vous étiez censé être là il y a une heure. Mais en 1942... J'ai été retenu, mais j'arrive. Franck, fort de mes couilles. Je parie que cette salope de Bernati va nous coller ça sur le dos. Ah, je raccroche. Je vous attends dans mon bureau. Et dépêchez-vous. Rejoignez-nous tout de suite après la pause pour connaître la suite. C'est engueulé, hein. L'année 1919, Philitek a attaqué trois des notes. Que Jenkins a demandé à vous voir. Il est dans son bureau. C'est moi, Frank. L'opération Icefall sur la côte est. Tu te souviens? Je savais pas que t'étais à Night City. Comment ça va? Bah, tu sais ce que c'est. Il y a une semaine, j'étais encore au Cap. Il paraît que t'es au contre-espionnage maintenant. Tu dois plus savoir où te donner de la tête après Francfort. C'est Jenkins, ton patron? C'est ça? C'est vrai ce qu'on dit sur lui? Et toi, c'est qui ton supérieur? Abernathy. C'est une tronche. C'est elle qui a mis toute l'opération du Cap en place. Abernathy. La salope qui a soufflé le poste de directeur des opérations spéciales à mon boss. Tu sais ce que c'est? Ça arrive. Ouais, apparemment. Désolé, mais je suis très pressé, là. On se parle une prochaine fois, ok? Ouais, bien sûr. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Protocole d'urgence actif. Sécurité du système confirmée. Putain, travailler comme ça. Tiens, j'y... Te retourne pas. Ça doit être horrible. L'agent de Jenkins. Qu'est-ce que t'as, toi? Veuillez entrer dans l'antichambre. Qu'est-ce qu'il a, lui?
Olivier, entrez dans l'antichambre. Oui, mais j'entre. Autorisation de visite accordée. Est-ce que vous êtes connecté? Honteux. Asseyez-vous, V, juste un instant. Je dois m'occuper de cette histoire de vote avant qu'on perde nos bases dans la mer des nuées. Ils vont bientôt commencer. Quelle est la situation? C'est ce qu'on pensait. Vous savez quoi faire. Allez-y. Directrice Abernathy. J'ai regardé le vote. C'était quoi ce bordel? Un nettoyage en profondeur, après le foirage de Francfort. Je nous ai débarrassés du problème, comme convenu. Je vous ai dit de résoudre le problème, pas de massacrer le Conseil Spatial Européen. Vous savez ce que ça va nous coûter de couvrir ça? On aurait perdu le permis, je nous ai fait gagner une semaine. C'est une victoire. Vous avez choisi la facilité comme d'habitude. Aucune finesse, ça vous ressemble. Nous allons en reparler, croyez-moi. Je hais cette pitasse. Je l'ai toujours détestée. C'est pas la première fois qu'Abernathy vous tend un piège. Non, en effet. Elle m'a discrédité auprès des dirigeants japonais pour qu'il lui confie le poste de directrice des opérations spéciales. Sale pute. Maintenant, elle me menace pour être sûre que je ne tente rien. Mais elle ne m'éliminera pas. Elle a trop besoin de moi. Je fais ce qu'elle n'a pas le courage de faire. Cette connasse. Diviser pour mieux régner. Une stratégie efficace. Efficace. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Vous devez vous défendre. Faire comprendre à Abernathy que vous n'êtes pas son paillasson. Vous avez raison. Frappez une fois, mais fort. Elle vous respectera. On a l'air de voir les choses de la même façon. Prenez ça. C'est ce que j'ai collecté ces dernières semaines. Données biométriques. Carte Traumatim, nom de ses principaux collaborateurs, chauffeur, chef de la sécurité, sa maîtresse, le mari de sa maîtresse, tout y est. Exploitez ses infos et assurez-vous qu'Abernathy ne pose plus problème. Vous l'avez dit vous-même, je dois me défendre. Si jamais quelqu'un apprend qu'on a parlé de ça, je plongerai avec vous. C'est vrai. Tout le monde sait que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est grâce à moi. Alors personne ne croira à votre innocence. Et qu'est-ce qui se passera si je refuse? Ne posez pas de questions stupides. Je ne vous laisse pas le choix, V. On se comprend à ce que je vois. Prenez ça aussi. N'utilisez que cet argent. Choisissez bien vos associés. Personne en lien avec la corpo. Et pour la tâche principale, prenez quelqu'un de confiance. C'est clair? Ouais, je crois que c'est clair. Bien. Dans ce cas, j'attendrai votre rapport. Et bonne chance. Ma navi attend dehors. Bien. Vous pouvez l'utiliser. Et ne me décevez pas. Jenkins, contre-espionnage de Night City. J'ai des choses à piquer. Il me faut une analyse des procédures législatives relatives au permis. J'ai les rapports que vous m'avez demandé. Ils étaient pas censés être prêts pour hier? Oui, je sais. Mais ils sont prêts maintenant. Envoyez-les-moi par email, et on aura une petite discussion plus tard, vous et moi. Hé, V, toujours en vie? Quoi de neuf dans le nid de vipère? J'ai besoin de ton aide, Jack, pour un contrat. Avec
toi, c'est toujours le boulot, et c'est... Dis-moi, t'as des emmerdes? Pas encore. Mais j'ai besoin d'une personne de confiance. Ça ressemble à un oui. Retrouve-moi au Litzis, dans une heure. Je suis pas parti au bon endroit. J'ai besoin de votre accord sur quelque chose. Il se pourrait qu'un de nos éléments ait été exposé. C'est encore à propos de Francfort ? Non, c'est un problème local. Faites-moi la version courte. Notre agent chez Biotechnica pense qu'ils l'ont peut-être repéré. Ils lui ont récemment accordé un laissez-passer rouge, ce qu'il y a de mieux. Ils cherchent du linge sale, mais ça avance lentement. Et résultat ? Ils sont clean, aussi irréprochables qu'une œuvre de charité. Des serveurs blancs comme neige. On pense qu'ils l'ont démasqué et qu'ils lui filent des infos bidons. On approuve son exfiltration ou on le laisse chercher ? Évaluation des risques. Sa vie n'est pas en danger, ce n'est pas le style de Biotechnica. Mais il pourrait le faire chanter en lançant de fausses accusations dans les médias. Le type a des gosses, il craquerait. Exfiltrez-le, mais discrètement, sans attirer l'attention, sinon ils vont tous nous griller. Jenkins va être furax. Jenkins, je m'en occupe. Très bien. Bon, de toute façon, je suis déjà dans la merde. Ça, je m'en fiche, ça, je peux pas sortir. Mais non. Je vais essayer. T'as vu le rapport ? Je vais être le seul employé qui court dans les couloirs. J'ai fini, il est l'heure. Votre destination. Destination, le Litzis. Démarrage. Vous écoutez N54 News et tout de suite, voici notre flash spécial. Une conférence du Conseil spatial européen a brutalement pris fin, et cela suite à la défaillance d'un système de stabilisation neurale. 5 membres c'est du Conseil spatial européen sont morts, 3 autres sont toujours dans un état critique. La police cherche toujours à déterminer les causes de ce dramatique incident. Les membres du Conseil étaient tous équipés d'appareils fournis par Biotechnica. Les porte-paroles de la corporation ont pour l'instant refusé tout commentaire.
Notre envoyé spécial sur place nous préviendra dès que plus d'informations seront disponibles. Là, je suis bourré, ouais, avec un verre. Restez sur N54 News pour plus d'informations. Elle est vraiment belle, la ville. Bonjour, V. Ouais. Je croyais qu'on n'était pas censé se voir avant la fin de la semaine. Quantified Satori a été averti de données biométriques légèrement inquiétantes. J'ai préféré vous appeler. Est-ce que tout va bien ? C'est juste un malaise passager, rien d'autre. Pas la peine de vous inquiéter. Rappelez-vous notre dernière séance. Les exercices de relaxation neuromotrice, 3 fois par jour. Ça va vous apaiser, vous redonner le moral. C'est garanti. Bien sûr. On se reparle plus tard. Trouve n'importe quel endroit le plus près possible du bar. J'emmerde des procédures. Début de la séquence d'atterrissage basée sur ces nouveaux paramètres. C'était un putain d'aéroport ici? T'as failli nous écraser! Putain de merde! Ok, non, on cherche pas les emmerdes, d'accord? Laissez-moi tranquille! Je t'éclate. Ça sent les emmerdes! Non, pourquoi touche sur moi? Non, je veux pas d'emmerde. Je suis là pour affaire. Ok, tant mieux. Bienvenue au Litiz. Oh, ils ont spawn devant. Il y a cette nouvelle boîte Premius. On y est allé hier. Ah, j'arrive pas à retrouver le nom. Pourquoi les autres sur le canapé là? Ouh, il est pas très net. Ah, tu viens pas ici souvent, hein? Ça fait plaisir de te voir, Essay. Assieds-toi et raconte à tonton Jack ce qui va pas. Ça fait plaisir de te voir aussi, Jack. Quoi de neuf? Il y a de l'eau dans le gaz entre les Valentinos et le Maelstrom. Il y a du fric à se faire. Tant que je chope pas un très plat. Tu sais ce que c'est, je peux pas me plaindre. Mais t'es pas là pour que je te raconte ma vie. Je t'écoute, parle-moi de ton problème. Tiens, prends cet éclat. Hmm.
T'en penses quoi? Ça va pas être donné. Il va falloir être discret. Pas de traces, paiement en liquide. J'ai le cash. Il faut une équipe au complet. Un techie, peut-être deux. Un runner avec un cerveau de compète. Et un chauffeur avec un putain de bolide. Sans oublier le solo. C'est ça qui me manque. C'est pour ça que t'as besoin de moi? Tu veux que je flingue la fille? C'est une situation délicate. Du coup, il me faut une personne de confiance. C'est pas une situation délicate, Hermano. C'est un assassinat, pur et simple. Tu sais comment fonctionne Arasaka? Enfin non, ok. Peut-être pas. C'est pas une requête professionnelle que je peux refuser. Mais moi, si. Et je refuse. Et tu devrais faire pareil. Bon. Si on se mettait une mine en parlant de tout et de rien. Gracias, mamita. Double tequila, grenadine et citron vert. Y'a rien de mieux pour se calmer les nerfs. Tu sais bien que je bois pas. Tu respectes toujours les règles, hein? Eh, ok, je comprends. Ce boulot et toutes ces conneries corpo, tu veux savoir ce que c'est? Un pacto con el diablo. Je te le dis depuis le début. Le diable. T'as vendu ton âme à ces raclures d'Arasaka. Aujourd'hui, il te demande de buter quelqu'un. Demain, c'est toi qui seras dans le viseur. Tu crois que j'ai le choix? Si je refuse, ils me prendront tout et ils me laisseront crever. Ah bah laisse-les faire. Comme ça, au moins, ils tiendront plus par les couilles. Je sais pas pour toi, mais moi, je laisse pas n'importe qui toucher aux miennes. Surtout pas des fumiers comme Saburo et sa bande de larbins. Un jour peut-être. Mais pour l'instant, je suis à leur merci. Tu seras toujours à leur merci. Toujours. Hé, hey, vous êtes perdus? Y'a un problème? V, c'est bien vous. Vous venez du QG d'Arasaka. Y'a un problème? C'est à propos de Francfort? On est là pour vous. Jenkins vous a confié une tâche. Et vous avez intérêt à nous dire tout ce que vous savez. Vous pouvez me redonner votre nom et votre département? J'ai pas bien compris. Ah! Putain! Quel effet ça fait? Sacrée descente, hein. Votre accès au réseau de la compagnie a été révoqué. Tout votre matériel cybernétique corporatif cessera de fonctionner dans 2 minutes. Remettez-nous les données que Jenkins vous a confiées, et nous pourrons valider votre licenciement. Mais comment vous avez su? Ça ne vous regarde pas. Les données. Allez! Mais comment vous avez su? Ça ne vous regarde pas. Si je peux le faire péter. Les données. Allez! Les informations sont sur l'éclat. Sage décision. Vous avez fini? Avec les formalités, oui. Mais je suis sûr qu'Abernathy nous filerait un petit extra si on l'a débarrassé d'une raclure, comme il faut. Debout, vous venez avec nous. Allez, plus vite que ça! Une minute. Je crois que vous avez oublié à quel point vous étiez loin de chez vous, ici. Vous faites un peu tâche dans le décor. Et il pourrait vous arriver des bricoles. Pardon, menace ? Si vous tirez, peut-être qu'on fera pareil. Hein. Un très plat, ça peut arriver très vite. On a ce qu'on voulait. Ça suffit pour l'instant. Ouh, il m'a sauvé la vie. Pouh, c'est pas passé loin. Banderos. B, ça va? Comment tu te sens? Vraiment pas bien. J'ai la gorge en feu. Je sais pas, j'ai du mal à respirer. C'est comme quand mon primito a arrêté la drogue.
Frissons, mains qui tremblent, sueur froide et nausées. Ouais, c'est à peu près ça. Hey, tu veux que je t'emmène chez un charcutoc? À moins que la traumatime soit en route. Donne-moi une minute pour reprendre mes esprits. Je suis foutu, Jack. Ma vie vient de me glisser entre les doigts. Je dirais plutôt que tu l'as récupéré. Tu pouvais pas leur dire non. Alors ils l'ont fait à ta place. C'est mieux comme ça. Tu verras. Et puis... t'as pas tout perdu. Tu vas me dire que j'ai encore un pote? Trop mignon. Mais non, Moudub. Il te reste toujours le cash pour la mission. Ça doit faire un beau petit pactole. Parfait pour prendre un nouveau départ. Eh ouais, c'est... Ancel. Hey, tu m'entends ou pas? T'as pas l'air en forme. Hey, hermano. Ta nouvelle vie, c'est maintenant. Hello, Night City! C'est Stanley qui vous parle, et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la Cité des Rêves! J'adore notre bonne vieille ville. Je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chié 20 ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope. Chaque jour, une centaine de personnes débarquent ici, mais moins de la moitié de ces pommards survivra une année, et encore, si l'année est bonne. Pourquoi ils viennent tous à Night City alors? Eh ben, pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand ou Wayland Boabo. Plus on prend de risques, plus on peut gagner gros. Ah, c'est ce qu'on dit en tout cas. Mais on peut pas rester autant très longtemps. La vie se consume vite quand on la brûle par les deux bouts. Wouh! Ou alors quand on se prend une balle. La plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui? Au cimetière! Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez, ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre. À Night City! La cité des rêves! La fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment. Ça doit être le repère des Penderos qui l'ont kidnappée. Ouvre grand les yeux et les oreilles, ok? Ça me fait penser... j'ai un petit cadeau pour toi. Un éclat d'entraînement de Militech. Si jamais tu veux te... remettre à niveau. Ça te dit un petit exercice de tir en VR? Pas maintenant, Jack. Non, je pense. Pas le temps. Peut-être plus tard. Ok. Ok. Mañana. Mañana. Est-ce que Wakako t'a donné des infos utiles sur le job? Je suis pas ta mère. Fais ce pour quoi je te paye. C'est pas compliqué. C'est parti. L'ascenseur, par ici. Ouh, la sensie. Ciao. Ah. La cible s'appelle Sandra Dorset. Son biomoniteur a cessé d'émettre il y a quelques heures. Sûrement, on n'enlève pas. Impossible de savoir si la cible est en vie. Vous arrivez peut-être trop tard. Hey, on va arriver à temps, Bug. On.
T'es peut-être que dans nos écouteurs, mais tu fais partie de l'escouade. L'escouade ? Charmant. Vous pouvez pas vous calmer, tous les deux. On y est presque. Ouais, Bug. Toi, concentre-toi. J'ai pas de visée sur son biomoniteur. Avec un peu de chance, on arrive. Je ramasse, je regarde même pas ce que je ramasse, mais je ramasse. Qu'est-ce qu'on s'achoue sur le fil ? Maniez-vous. Essaie de pirater la porte. Est-ce que je peux compter sur toi, V ? Ouais, ouais, ouais. Attends, est-ce que je peux aller plus loin ? J'arrive. Sandra Dorset dispose d'une immunité corpo d'échelon 2. C'est du gros poisson. Mais celle-là, elle est équipée de reprocétatec de contrebande. Clairement du boulot de seconde zone. C'est pas notre fille. On continue de chercher. Alors, ils grouillent comme des cafards. On attend et on se prépare au carnage. Élimine-en un. Discrètement. Prends celui qui est le plus proche de toi. Allez, on se les fait. Buena suerte. Il l'a eu lui aussi. Bien joué. Mais il y en a sûrement d'autres. Allez, continue. Je suis avec toi, mais... Oui, bah c'est bon, 2 secondes. L'arme là.
C'est quoi ça? Ça va faire mal, ça. Plante-toi vite. Ok. Je fais piratage. Ну давай, выходи, стекло. Merde, on avait là. Évitez d'exposer la cible tir ennemi et évitez surtout de vous prendre une batte en plomb. Ouais, je vais y penser. On est coincé. Oh. Toi qui vois ce qui se passe dans ce perrier, t'as une idée? Il est dans une pièce qui donne sur le balcon. La fenêtre sur la gauche. Deux secondes, je fais sauter la serrure. Ah non, attire son attention. Je me charge du reste. J'ai la lumière de pirater la porte. Soyez prudents. Pas des choses là, on va essayer. Est-ce que tu sais que je suis? On a été. Ah, la visée elle est dure. Ah, j'ai mis ça à côté. À fond, là. Très bon. Le capteur détecte aucun mouvement. Vous l'avez eu, on dirait. Vous pouvez continuer. Merde, elle est où notre cible? Cherchez partout, elle est forcément quelque part. Bordel de merde. Ah. Ça y est, je crois que j'ai trouvé notre cible. On arrive à temps? Elle est vivante? On va vite le savoir. V, connecte-toi à son biomoniteur, je vais évaluer la situation. C'est pas bon signe. Elle est dans une baignoire remplie de glace. Il y a un autre corps aussi, putain. On dirait des morceaux de viande. Garde ton calme, V. Si elle s'en sort, elle se souviendra de rien. Son subconscient sera un peu marqué, c'est tout. Paraît que les gens qui survivent à ce genre de trucs font des crises de panique. Sans savoir pourquoi. Ils sirotent un verre d'eau glacée et d'un coup, leur main se met à trembler. V, connecte-toi à son biomoniteur, je vais évaluer la situation. Je me connecte. Sandra Dorset. NC570442. Trauma Team Platine. Platine? Merde. La trauma aurait dû débarquer avant qu'elle ait le temps d'éternuer. Ils ont dû brouiller le signal du transmetteur. Ça doit être un piratage de biomoniteur, une reconfiguration de micro-logiciel ou un neurovirus. Carla, Rotibug. Il y a juste des baignoires, de la glace et du matos de boucher ici. La tech peut pas être complexe. Ok. Du boulot de bouffeur de scope, donc. J'ai une idée. Regarde son neuroport. Si tu vois un éclat, retire-le.
C'est ça qui doit bloquer le biomoniteur. Ouais, y a un éclat. Je le retire. Regarde son biomoniteur. Ça change quelque chose ? Bonjour, Sandra. Si vous êtes consciente, mettez-vous en position latérale de sécurité. Une équipe d'évacuation d'urgence est en route. Elle sera sur place pour la prise en charge dans 180 secondes. La trauma sera là dans 3 minutes, d'après le biomoniteur. Votre régime premium couvrira 90% des coûts estimés du sauvetage et du traitement. Pobrecita. Faut la sortir de la glace. Jack, ouvre l'œil, c'est pas encore fini. C'est pas ce qui nous attend dehors. Je suis pas rêvé. Vas-y. Oh merde! Elle fait un trépas! V, dis-moi ce qui se passe. Jackie, air hippo! Merde, ça craint! Attrape, essaie! Je crois. Putain, ça a marché! Fuera, cabron! Emmène-la dehors! Voilà, sors-la d'ici! La terrasse! Atterrissage! Dégagé! Lancement du protocole de sécurité! Suivez les instructions! Arrêtez-vous à la porte! J'ai rien fait, moi. Déposez la patiente au sol. Cinq pas en arrière. Allez. Putain, t'as foiré. TT-133 à contrôle. Patiente NC570442 sécurisée. Administration des stimulants suivants. 70 mg de dopamine, 110 de noradrénaline, 800 de fibrinogène. Waouh, un peu plus. Ah ouais, on peut tomber en bas. Ok. Viens, on se casse d'ici. L'ascenseur va direct au garage. Beau boulot. On a réglé ce merdier. Allez, moi je me déconnecte. On se reparle bientôt. Dis, Mano, j'ai un truc à faire. Ça t'embêterait de me prêter ta caisse ? J'ai un rencard avec Misty, mais je peux pas prendre le métro. J'aurais l'air de quoi ? Je vais pas te laisser en plan, Jack. Mais juste pour cette fois. Tu me sauves la vie, V. Merci. Tu veux que je te ramène chez toi ? Vas-y, prends le volant. Ouais. Je suis claqué. Ça va, tu passes très bien. J'ai failli oublier. Faut appeler Wakako. Lui dire que le boulot est fait. Ok, le con. Wakako. V, comment ça s'est passé? Notre cliente est saine et sauve? On peut dire ça. On peut dire ça. La trauma team l'a récupérée. Elle va se remettre. Impec. Ton paiement t'attend. Tu peux venir le chercher quand tu veux, même tout de suite. Mais j'imagine que t'as juste envie de rentrer chez toi, là. Le NCPD a encerclé Watson. Le quartier est bouclé. Si tu veux passer le cordon de sécurité, va falloir faire vite. Merci pour l'info. Je passerai te voir plus tard. Il paraît que le NCPD va boucler tous les accès à Watson. Alors si je veux pouvoir dormir chez moi ce soir, il va falloir mettre le turbo. Laisse-moi faire, Mano. C'est moi qui conduis. Ah, vas-y.
Décidément, je kiffe Night City. C'est une ville comme une autre, mais en plus grand. Non, Mano. Elle a rien d'ordinaire. Morgan Blackhand, Andrew Whelan, Adam Smasher. C'est ici que naissent les légendes. Putain, je crève la dalle. Si on allait se manger un morceau, qu'est-ce t'en dis ? Jackie, ils vont boucler Watson, tu te souviens ? Ah merde. C'est vrai. Je suis parano ou... Ah merde. Je le savais, il y a une camionnette qui nous suit. Pardon. Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Putain ! J'ai des os ! Bande d'enculés ! Putain, Jackie, roule ! Allez, fais ! Tu gueules à madre ! J'essaye, arrête de zigzaguer ! Accroche-toi, V ! Merde, pardon ! Je vous ai eu, les connards ! V, dis le conducteur ! Tu gueules ! Bon, j'ai eu le conducteur. Morfler ta pauvre caisse. Désolé, V. Pas grave, on verra ça plus tard. Faut déjà qu'on arrive à rentrer. Putain, on peut dire qu'ils ont mis le paquet. Watson est confiné jusqu'à nouvel ordre, par mesure de sécurité. Madame l'agent, on a un sacré bol d'être tombé sur vous. Ah bon ? Et pourquoi sur moi spécialement ? Vous avez un cœur en or. Et seule une personne avec un cœur en or peut comprendre que je dois à tout prix rejoindre ma dulcinée. Votre dulcinée ? Ouais. Elle va se faire un sang d'encre si je rentre pas. Je veux dire, tout ce que je veux, c'est faire les choses bien. Elle me laisse une chance, vous voyez ? C'est une raison valable. Laissez-les passer ! C'est les derniers ! Ok, allez-y. Je vous souhaite une bonne soirée, madame l'agent. C'est une chance. Tu lui as fait de l'effet, on dirait. C'est la dévotion dont j'ai fait preuve qui l'a prise aux tripes. C'est ça. Je suis ultra loyal, stable en amour. Et modeste en plus. Tu me connais. J'ai pas voulu appuyer pour voir ce qu'il disait. Et... si t'appuies pas, il dit rien en fait. Bon, ben on dirait que le spectacle est fini. Ces pauvres gars avaient aucune chance. Belle la ville. Ça y est, on est presque chez toi. Et toi alors ? Il y a peu de chances que tu puisses rentrer à Heywood. T'inquiète, V. Ils vont me laisser passer. T'en es bien sûr ? Mais oui, je vais encore faire le Jackie sympa.
Fais de beaux rêves. Passe le bonjour à Misty. Ça marche. Aïe, luego. Là, il se barre avec ma bagnole comme ça. Bonsoir, Night City. Mon premier invité ce soir est le président de l'église d'Eliaou. Bug. J'ai oublié de te dire. Je connais un runner qui pourrait être utile. Je t'envoie ses infos. Oui, le Seigneur Tout-Puissant. Oh, comme c'est trop beau. La présentatrice de la célèbre émission Chipin qui promeut l'utilisation d'un plan cybernétique. Oh, c'est ce que j'avais avant d'être viré. J'ai pas à me plaindre, Ziggy. Merci de l'invitation. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de l'implant le plus select et le plus recherché de tous sur le marché. Le portail est encore bousillé. C'est la troisième fois. J'ai déjà payé deux fois pour le faire réparer. Ça doit être un genre d'arnaque. Non. Va voir, je vais lui dire deux mots au concierge, moi. Non. Je veux pas y prendre. Oh, mon appart. Ok. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. J'en gardais deux. Je me pique chez moi, tu sais. Allez se coucher. Ah. J'ai chopé un truc, en me connectant au biomoniteur de la corpo. Je sais pas, un neurovirus ou... Faut que j'aille voir Vic. Il saura me dire pourquoi j'ai le cerveau et le bide en vrac. Ok, je t'emmène. Je t'acquiesce après tout. Sape-toi et retrouve-moi en bas. Hey. C'est où ? Inventaire ? Ah, là. Ok. T'aimes bien le blouson. Nickel. Ah, tire à chasse d'eau. Prendre une douche, non, peut-être pas. Peut-être pas habillé. Ah, ouvrir. Oh. Ah ouais, là, il y a de la vue. Jones, si tu cherches du boulot à Watson, appelle-moi. Comment tu m'as trouvé? Et comment tu connais mon nom? Je sais où choper mes infos. Je suis une sorte de collectionneuse. A plus B. C'est quoi ça? Vendre? Vendre quoi?
quoi ça? Grenade. Des cartes, ok. Vinyle. Et tout ça, je peux y vendre, ça fait des thunes. Alors, comment on fait pour vendre? Confirmé. Ok. Ok. Non, on s'en fout. Allez. NCPD, ouvrez cette porte. On a reçu un appel. On est ici pour vous aider. On sait que vous êtes à l'intérieur. When danger lurks, the team will be there. Sign up for our platinum plan today. Putain de ta mère, vas-y là! Hey! Comment ça va? Oh non, non, non! 14, ça va pas! C'est pas assez! Attendez, vous voulez dire 14? Tout va s'arranger! Jour. Ah, c'est différent là! T'as une seule tête pourrie! Je vous dévoile le problème du réajustement. Bonne journée! Si on se faisait un round ou deux, partant. Qu'est-ce que tu dis de mon nouveau sac de frappe? Il vient de me mettre une raclée en mode 2.0, je te jure. Je serais curieux de savoir comment il s'en sort face à un V. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Les 45 attend sa maman. Ils en run après chaque coup maintenant. Je vais jeter un œil. Oh! Restez un œil. Ok, les munitions. Ok. Ah, j'ai pas assez. Ah, j'ai 250. On va descendre. C'est ça. Merci. D'après les estimations, l'investissement sur cette artère essentielle se chiffrerait à près de 20 millions d'euros dollars. La priorité étant placée sur l'efficacité et les barrières anti-nomades. Entrez. Bonjour, c'est l'heure de l'info locale. Le festival Aratama Matsuri va bientôt commencer. Pour l'occasion, oh, les yeux qu'il a. Le char de plusieurs étages blanc dans les rues de Night ou bleu. Seront également au programme du festival des performances musicales par des virtuoses du biwa, ainsi que des représentations de théâtre no traditionnel. Le sponsor du festival est la corporation Arasaka. Et, contre toute attente,
Hanako Arasaka a annoncé qu'elle participerait au défilé de chars en personne. Alors, tu peux parler de ce qui s'est passé hier ? Tout est dans le rapport. Bon, je l'ai lu. Il y aura des passages. D'accord. Ah, la star, enfin. Eh ben, t'en as mis du temps. Ça m'a ouvert l'appétit d'attendre. Assieds-toi, je finis ça. Et après, on pourra aller voir Seigneur Vector. Je savais pas que t'aimais la bouffe asiatique. T'aurais dit que c'était trop exotique à ton goût. Mais pourquoi j'aimerais pas ça? Il y a des nouilles, du bœuf synthétique. Rajoute-y un peu de piment et c'est exactement la même chose que la célèbre sopa de fideos de Mama Wells. Tu m'avais parlé d'une surprise hier. Mes souvenirs sont bons ou bien j'ai complètement déliré? Il doit y avoir des deux. Ta mémoire, c'est pas trop ça. Bon, figure-toi que je nous ai peut-être dégoté un boulot, le genre Premios. Écoute. Enfin, c'est peut-être pas un si gros coup en fait. À part que c'est pour. Ah, comment il s'appelle déjà? Ah oui, un certain Dexter de Champ. C'est juste le meilleur fixeur de Tonight City, quoi. Le Jésus noir bedonnant de l'Afterlife. 130 kilos de pure coolitude, en partie plaqué. Comment t'as décroché ça? T'as vendu ta rate, un truc du genre? Parce qu'a priori, toi et moi, on est vraiment pas le type de Dex. Toi et moi, c'est sûr. Petit Bug, c'est elle qui nous a mis en contact et qui a lancé la discussion. J'ai su que c'était dans la poche dès qu'il a posé les yeux sur moi. Sérieusement, tu connais quelqu'un qui pourrait résister à ça, toi? Bien sûr, Jack. Si tu le dis. Dexter de Sean? Qu'est-ce que tu sais sur lui? Je sais que t'as des infos à balancer. Il avait disparu ces deux dernières années. D'après la rumeur, il s'était pris des petites vacances. 2 ans? C'est plus des vacances, un exil. Qu'est-ce qu'il branlait? Ah, j'imagine qu'il s'enfilait des pizzas en se branlant sur des virtus hardcore. Tout ce qui compte, c'est qu'il est revenu, qu'il a besoin d'une nouvelle équipe, et qu'il nous a trouvés. Alors c'est quoi le plan? On est censé s'en tirer vivant? Notre sauveur tient à tout expliquer en personne, face à face. Pas de pression, mais tout repose sur toi, essaie. Pourquoi c'est moi qui m'y colle? Vous avez tiré la courte paille sans moi, T-Bug et toi? T-Bug et Dex sont amis depuis longtemps. Et moi, tout le monde me connaît. Il veut juste te jauger, te parler. Ah, écoute, V, c'est son boulot, ses règles. Normal qu'il veuille savoir qui il engage. Mais y a pas de quoi s'inquiéter. Fais-moi confiance. J'imagine que j'ai pas le choix. Dex, c'est le top du top quand on parle de fixeur. Attention, hein. J'ai rien contre le Padre ou Akako. Mais lui, il est carrément hors concours. Tu vois ce que je veux dire? Je les connais, les fixeurs. Ils chopent un client, ils trouvent le pommard le moins cher pour le job. Et il balourde son corps dans une décharge. Putain, t'as tapé dans le mille, mais... Ah, sérieux. Estoy hielo. Je t'ai ramené ta caisse. Je l'ai filé à un pote hier pour faire réparer les dégâts de notre petit accrochage avec les désos. Merci, Jack. Super sympa. Miguel a fait un boulot de ouf. On dirait qu'elle sort de l'usine.
C'est ce qu'on va voir. Bon bah tant mieux. Bon, on décolle ou quoi? Voyons ce que ce bijou a dans le ventre. I'm fine. On commence par quoi? Charculoc? Et mollo sur l'accélérateur, et c'est... Je viens de manger. Je devais passer chez Vic de toute façon. J'ai un rencard avec Misty. Sans déconner. Bah ouais, je trouve que c'est une chouette fille. Elle me comprend, tu vois. Ça passe au vert. Dès que j'arrive, ça passe au vert. Ah, c'est là. Par ici. Amène-toi, allez. Retrouve-moi quand Vic aura fini de dépoussiérer tes circuits. On discutera de ce que Dex nous prépare. Il est où? Ah. On n'a pas tout le temps de papoter. Ah, excuse, c'est pas à toi que je voulais parler. Tu es Matt? Non, une de mes tchoums travaillait ici, c'est tout. Ah ouais? Depuis quand tu traînes avec ce genre de tchoum? Il fait un bail, c'est pas important. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a changé de taf et a quitté la ville. Faut pas coller les gens. Tu veux aller les voir? Il est dans un sale état, lui. Salut, V. Le docteur Vector va te recevoir. Je t'attends là. Misty et moi, on a des trucs à se dire. T'as l'air content. Je suis toujours content. Nous sommes entourés de caméras. Mais... on a un nouveau boulot de prévu. Une grosse pointure de l'afterlife. Malone baisse sa garde. Eh Vic, t'as l'air en forme pour un Vioc. Content de te voir. Moi aussi, je suis content de te voir, V. Ça fait un bail. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Mon dernier taf. Je me suis connecté au neurosupport d'une cliente et... je crois que j'ai chopé un truc. Migraine, nausée, hypersensibilité aux lumières vives. Ouais, la totale. Ok, petit. On va t'arranger ça vite fait. Sinon, comment ça va? J'ai rencontré un nouveau fixeur qui m'a filé un boulot. Il s'appelle Dexter DeShone. Une figure célèbre de l'Afterlife. Tu montes les échelons, pas de doute. Mais... t'as quelque chose à me dire, Vic? Reste sur tes gardes, c'est tout. J'ai entendu parler de Dex. Il est pas aussi cool qu'il le laisse croire. J'ai besoin d'un nouveau kit, Vic. Mais du vrai matos, pas des jouets. Je dois booster ma vision et il me faut une AD. Vraiment? Maintenant? Enfin? Vic, ça déconne plus. Je viens de décrocher un boulot pour Dex DeShone. Je saute dans la cour des grands maintenant. Il me faut de la tech qui puisse suivre. Dexter DeShone, donc. C'est du sérieux, je vois. Mais laisse-moi deviner, il t'a pas encore payé. Je peux pas. Pas, Vic. Je te rapporterai les édits plus tard, avec les intérêts, tu me connais. Ouais. C'est la dernière fois, ok? Assieds-toi sur ce fauteuil. Détends-toi. Optique Kiroshi. C'est ce que j'ai de mieux, et ça devrait être parfait pour ce que tu vas en faire. Ok, connecte-toi. Kiroshi, waouh! Vic, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Alors ça devrait être utile, je crois. J'ai promis de te rembourser, mais ça... c'est peut-être un peu au-dessus de mes moyens. On s'arrangera. Pour l'instant, je veux juste m'assurer que tu reviendras en un seul morceau.
avec des édits plein les mains. Ouais. Jette un œil et fais ton choix pendant que je te scanne. On va voir ce qui se passe là-dedans. Bon, j'ai pas lu, ça va être au pif. Bon, bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Ouais. Ah, et la main. Ok, j'ai rien d'autre. Ça, si. Non. MK1, comme je te disais. C'est un bon scanner. Il affiche les données sur ta cornée. Et la cerise sur le gâteau, c'est un disrupteur de lentilles externes intégrées. Pour faire simple, ton visage apparaîtra comme une tache floue sur les caméras de surveillance. Mais attention, ton corps, lui, restera parfaitement visible. Ça devrait faire l'affaire. Et en plus, c'est compatible avec la tech Kiroshi. Je suis prêt. Charcute-moi. Excellent, allons-y. Allez, petit, étends ton bras de champion ici. Alors, quoi de neuf dans la vie de Victor Vector ? Franchement, pas grand-chose. Et c'est très bien comme ça. Je vivais dans un monde où rien ne comptait, à part les noms, les faits, le pourquoi, le comment. Il s'est passé quoi ? Un jour, je suis parti sans jamais me retourner. Je serai jamais une légende dans cette ville, mais je dors bien depuis. Comme ça, merci. Un petit anesthésiant, et je commence à inciser. Tu sens quelque chose ? Encore cette question ? Sérieux, Doc ? J'ai l'impression d'entendre un dentiste. Toujours en train de radoter. Hé, hey, sois gentil, tu veux. Oublie pas que je suis vieux et que ma vieille main organique tremble. Je pourrais ripper. Je te coupe l'image une minute, ok ? Je vois que dalle. Ok, on va tester ça pour voir si la magie opère. J'active la liaison. Tu pourrais ressentir une légère gêne au début. Vision trouble. Je vois mon corps. C'est atténué, quelques bugs. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Tu te sens bien ? C'est mortel, Vic. Ah, nickel. On passe au scanner. Il se peut que tu mettes quelques secondes à t'habituer. Mais il y a une première fois tout. Le scanner devrait finir par se synchroniser avec ton flux de pensée et décrypter tes intentions. J'ai aussi ajouté une porte dérobée vers les dossiers du NCPD. Si tu croises des fauteurs de troubles, tu sauras quels troubles ils ont fauté. Ça devrait marcher au poil. Dégaine ton arme. Tu devrais voir la quantité de munitions et un nouveau viseur. Pour le neurovirus, du dernier taf, tu sais, tu peux regarder. Je m'en suis débarrassé quand j'installais ton implant. J'ai lancé un scan complet de tes circuits, logiciels, et j'ai liquidé ce petit enfoiré. T'as ma garantie zéro bug. Putain, Victor, c'est cool. Je sais pas quoi dire. Bah alors dis que tu vas prendre ça et que tu te souviendras des doses. Deux bouffées maintenant, deux autres dans une heure. C'est quoi ce truc ? Un léger stimulant. Ça va booster la neurotransmission à court terme et estomper certains effets secondaires pendant que l'implant s'installe. Merci.
Merci encore, Vic. T'es le meilleur. Je t'en voudrais ça. Allez, petit, montre-leur ce que t'as dans le ventre. Et quand tu seras dans la cour des grands, oublie pas d'où tu viens. Oh, le match. Qui est-ce qui gagne ? Hernandez. Tu sais, à la bonne époque, ce blaireau de Malone se serait fait sécher direct. Maintenant, tous les boxeurs ont un renforcement crânien. Ça absorbe 75% des chocs. T'as misé du fric là-dessus ? Non, je fais que regarder. Bah, c'est plus par habitude qu'autre chose. Ça te manque, hein ? Ah. Ton boulot, ça va ? Oh, pas trop mal. Les corpos ont appris à garder leur distance. Et Arasakar commence à recruter des mercs indés, à qui il faut le nec plus ultra niveau implant. Heureusement que Misty est là pour t'aider. Et supporter tes jérémiades. Ouais, lui louer un local pour sa boutique a été l'une de mes meilleures décisions. C'est quoi ? Tu dois être la seule personne dans tout Night City à être content de son sort. Passé un certain âge, t'arrêtes de t'accrocher à tes illusions. Ça te simplifie la vie, crois-moi. Ok, bon allez. Je viens pas te payer, j'ai pas les sous. Ton chakra du cœur a l'air un peu détraqué, Trésor. Je peux le libérer pour toi, mais tu devras te méfier des énergies négatives et rester loin de tout ce qui est rouge. Mais, il y a du nouveau. Je suis rouge. J'ai parlé à Dex pendant que t'étais avec le doc. Il t'attend dans sa caisse. Rien que toi. Il est garé tout près d'ici, à côté de Gramsci Burgers. Ok, je vais aller faire mon numéro. Ok, enfin bon, on va s'arrêter ici pour cette petite vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez avec les amis, la famille, ça fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube, donc Tony200, T-H-O-N-Y, suivi de 200. Et pour ceux qui sont sur YouTube qui regarderont leur diffusion, n'hésitez pas à venir sur la chaîne Twitch, je live tous les jours, de 22h à minuit, sauf les week-ends. Moi je vous laisse, je vous dis bonne nuit et à demain pour une... Ah non, demain on est samedi. Non, à lundi pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bon week-end à tous et à plus.